Salut Pierre. Alors, bon, on va voir plusieurs choses. Déjà, je pense qu'on peut juste expliquer pourquoi la semaine dernière, ça a un tout petit peu arrêté au milieu. Alors, il y a un petit problème de connexion. Nos serveurs respectifs ont lâché, hein, aussi bien chez Pierre que chez moi. Donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu, on a dû arrêter, donc on a dû supprimer le live. Hein. C'est le seul qui n'est pas qu'on peut pas retrouver sur Facebook. Sinon, les autres vidéos sont bien sûr à revoir. Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, on va parler déjà une toute petite actualité, enfin une actualité, on va dire, qui est confirmée et qui est quand même assez importante. Qui est on va sur Lunel. Exactement. Ce qui est important de préciser, c'est que Lucislens était déjà fabricant de Lunel pour CooperVision, et donc maintenant CooperVision arrête la distribution et une partie de la fabrication, parce qu'il y a une partie qui était aussi faite par CooperVision, et tout est passé, enfin tout va être fait par Suislens, donc par nous directement. Exactement. C'est quelque chose. Voilà, on va vous en parler petit à petit, je pense. On va revenir un peu plus longuement. L'annonce a été faite officiellement depuis peu, donc on en parle. On commence un petit peu à communiquer. Donc là, c'est la première fois qu'on vous en parle. On vous invite à aller quand même sur notre site. Vous avez une page maintenant qui est dédiée pour Lunel, où vous avez un petit peu l'historique de Suislens. L'historique de Lunel et puis des informations pratiques, surtout création de compte, tout ça c'est pas une, enfin voilà, tout ça c'est disponible sur notre site maintenant à partir de ça fait une petite semaine. Oui. Donc on peut s'inscrire à la newsletter pour recevoir un peu les nouvelles et puis la suite des propositions qu'on fera au niveau commercial et liste de prix, tout ça, donc ça serait intéressant. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire en tant que client en prévision des futures commandes Lunel. Donc ça, la création de compte, elle prend 40 secondes. À peu près, ouais. Quelque chose près, c'est 40 secondes. Ça prend très peu de temps, Ouais. effectivement. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est au numéro de TVA intracommunautaire pour recevoir les factures en facture hors taxe intracom. Exactement. Donc voilà. Donc on vous invite soit à vous inscrire, soit même nous contacter pour si dans la foire aux questions, on a essayé de faire le tour de ce qui était important pour nous, mais peut-être qu'on a oublié des questions. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter, enfin pour avoir un peu plus d'informations. On répondra avec plaisir. On passe au sujet du jour. Allez, on passe au sujet du jour. Donc, on va revenir un tout petit peu sur les sclérales. La semaine dernière, on avait essayé de faire un QCM un petit peu. Aujourd'hui, on va pas prendre cette idée-là. On va parler un tout petit peu d'un cas, de petits cas pratiques. Avec voilà comment on choisit. Donc voilà, ça c'est la photo, enfin c'est une deux photos qui représentent ce qui est important de regarder pour le choix de la première lentille de la boîte d'essai.
Je vous rappelle, voilà, sur les précédentes vidéos, les boîtes d'essai sont composées de 12 flèches différentes et on choisit cette flèche en fonction du profil cornéo-scléral. Donc là, pour toi, Pierre, on commence par quoi là, du coup? Alors, je dirais qu'il y a deux yeux avec deux profils un petit peu différents. Sur l'œil de gauche, je partirais sur une lentille peut-être un petit peu plus profonde que sur l'œil droit. Moi, je dirais bien L2 dans un premier temps. Ouais, exactement. C'est vrai que ça va être la première étape. On va commencer, donc on met quoi? L2 L2 sur sur la. la gauche et puis peut-être soit L1, soit M3 sur la droite. Ok. Je crois que tu as un problème de son, Pierre. Non, Il faut c'est que bon, tu. je l'ai C'est corrigé, mon bon? problème de son, C'est ouais. bien corrigé, c'est bon alors. Ok. Donc on est d'accord. L2 sur celle de gauche et L1 sur celle de droite. Donc effectivement, c'est ce qui a été posé. Donc sur la diapo suivante, on va voir la coupe optique qu'on obtient avec ces deux lentilles. Voilà, donc on obtient. Alors effectivement, il faut évaluer. C'est-à-dire que les photos du haut sont celles qu'on a posées sur la L2. Et Alors, puis faut les. qu'ils zooment sur la première photo. Ouais. Voilà, exactement. Donc là, on voit, alors c'est pas très facile à voir sur cette photo-là, mais ça, on voit quand même très bien le film de larmes qui est coloré par le fluo. Là, on estime à combien l'épaisseur du film de larmes? Alors, Allez. c'est pas évident, hein, parce que du coup, on voit pas bien le. Non, c'est pas très facile. C'est pour ça que, alors, c'était une photo qui est intéressante de voir parce que vous voyez l'importance de mettre plutôt en lumière blanche. Là, on est en lumière bleue. Alors, ça permet de faire les coupes. Par contre, pour évaluer, c'est très compliqué. Enfin, c'est plus compliqué, on va dire. C'est possible aussi, mais c'est plus compliqué et ça, voilà, c'est plus difficile. C'est pour ça que c'est un peu un piège comme photo. C'est-à-dire que c'est vraiment vous montrer l'importance de faire en lumière blanche ces coupes optiques pour faire les évaluations des fittings centraux, parce que là, en lumière bleue, bah, c'est assez compliqué. Alors sur la photo en haut à droite, on a un petit peu plus d'idées, on voit le reflet sur la lentille. Donc la lentille en 200 microns, on peut évaluer voilà, le film de larme qui est pratiquement à 350, voire 400 microns. Donc ça, c'est la pose. Donc voilà, pour l'instant, ce qui était important, c'est de voir que ça ne ça touchait pas, et puis il faut attendre un minimum de temps pour au moins 1 heure pour voir un peu ce qui se passe. Si vous avez cette image-là qui apparaît après 1 heure de port, la flèche est trop haute, il faut diminuer la flèche d'un pas lors de votre commande, parce que sinon vous aurez des appuis en périphérie majeurs. Un problème d'oxygénation. Exactement. Donc là, on est sur ces images-là. Ça, c'est l'autre œil. Donc là, pareil, c'est pas facile à voir. Par contre, en fait, un petit peu en ayant un peu une idée de ce qui se passe, on voit que la flèche, elle est bien meilleure. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y en a beaucoup moins. Nettement. Voilà, on est pas mal en fait. Ça fait que là, après 1 heure de port, on était à 200, à peu près 200, 250 microns. Donc après 1 heure de port, c'est bien. Il y a rien à dire. Il faut le laisser ça comme ça. Et là, avec ça, on peut estimer que on a déterminé la flèche de la première lentille de commande. Si on compare les deux images par rapport à celle au-dessus, je dirais qu'il y a peut-être un peu plus d'effet prismatique sur celle-là que sur celle qui est en bas. Exactement. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, quand la flèche est un peu haute, souvent la lentille a tendance à se décentrer. C'est un effet mécanique. Donc ben voilà. Donc là, rien qu'en diminuant la flèche, l'effet prismatique risque de disparaître, enfin de réduire au moins. Et puis après on va voir en fonction des appuis périphériques comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour gérer les appuis périphériques et enlever cet effet prismatique. Donc là, une fois qu'on a déterminé notre première flèche, comme on a dit la semaine précédente, on donne la valeur de la flèche, donc soit le sag en S1, S2, S3, le code, soit la valeur du sag. On modifie la périphérie si nécessaire, donc ça on va le voir juste après, la suréfraction, et on est bon. Exactement. Là, on avait L2 à droite, L1 à gauche. Donc là, on sait que la droite, elle est trop haute, on passe à L1.
Et la gauche était bonne, donc L1. Ça fait Donc ça 2L1. fait 2L1. Ouais. Voilà. Donc là, on observe ensuite la périphérie. Exactement. Donc là, c'est les yeux. Ce qui est important, c'est l'image centrale, hein, qui est un peu vers le bas. Cette image-là, c'est celle qui est le juge de paix dans les choix. C'est-à-dire que c'est le regard primaire. Alors là, j'ai soulevé un peu la paupière pour qu'on voie l'ensemble de la lentille, mais c'est pas nécessaire. C'est même là, c'est pour la photo. C'est pas nécessaire de lever forcément cette paupière-là parce qu'il y a une interaction, mais ça vous permet quand même de voir ce qui se passe dessous. Donc il faut quand même la soulever, mais prenez pas trop de décisions suite à ça. Donc là, on observe ce qui se passe, eh ben, sur la partie sclérale. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? Ben, globalement, c'est pas si mal. Il y a quand même un peu, on voit qu'il y a un peu des interruptions, un peu un blanchiment qui est plutôt, tu vois, au bord extrême. Ouais, voilà, Voilà, ici. extrême bord ici, là, exactement. Et puis là, voilà, exactement. Donc là, il est comme ça. Là, on voit qu'il n'y a Et pas puis. d'interruption du très gros vaisseau, mais en dessous, bon, on voit quelques vaisseaux qui sont présents sous la lentille, mais c'est vrai que Exactement. ouais, y a comme une marque. Il y a peut-être plus une ombre qu'une marque, non? Mais... Alors, il y a une ombre, une marque aussi un peu, et puis là, par contre, on voit que la lentille est quand même bien décentrée en bas. Hein. Ça, là, c'est assez net. Donc, ça, on va être obligé de commander une asymétrie. Donc ça, c'est toujours notre œil droit qui était en L2. Ouais. Donc ça explique l'effet prismatique aussi. On voit là, physiquement la lentille Exactement. décentrée vers le bas. Donc, Exactement. Donc là, ça explique, voilà, c'est visuellement, on voit très bien ce qui s'est passé, on l'a décrit en haut, ça confirme ici. Donc voilà, là maintenant, il faut. Alors l'asymétrie, ça, c'est une idée, enfin, c'est voilà, on voit qu'il y a des appuis quand même qui sont un peu à certains endroits, pas à d'autres. Donc l'asymétrie, ça met du sens. Et puis, ça va quand même. Elle aura tendance quand même, ces lentilles, à être un petit peu décentrées. Donc on pourra, avec l'asymétrie, l'aider à la recentrer, même en diminuant la flèche. Et plus l'asymétrie, vous aurez une lentille qui sera vraisemblablement parfaitement centrée. ouais. Donc là, effectivement, on ne prend pas en compte ces marques en périphérie. On ne va pas ouvrir toute la périphérie de la lentille, puisque vu qu'on va Non. diminuer la flèche, on n'aura plus ce phénomène d'action sur la sclère. Exactement. Il va diminuer, exactement. Alors, il faudra décider un peu plus tard si ça met du sens, mais voilà, là c'est un peu. Pour l'instant, il n'y a pas de raison. Les autres photos, on voit surtout ce qui se passe. Alors, sur les différentes versions, je les ai mises parce que c'est vrai qu'effectivement, on a tendance à vouloir regarder un peu ce qui se passe en version, c'est important. Mais ce n'est pas la chose la plus, on va dire, révélatrice de ce qui se passe en adaptation. Donc là, on voit que finalement, sur la photo en haut à gauche, qu'il n'y a pas d'interruption. C'est assez joli comme photo. Voilà, il n'y a rien de spécial. En haut, à droite, pareil. Hein, voilà, on voit en s'approchant. Voilà, on voit qu'on a une légère interruption des micro-vaisseaux. Alors, Bah, surtout un on a petit peu toujours sur le cette cadran. marque-là qu'on voyait, ouais, qui était... Exactement, au même endroit. Par contre, on voit que vers 1 heure, 2 heures, enfin entre midi et 1 heure, là, ça redevient, les petits vaisseaux ne sont plus interrompus. Donc c'est vraiment ce quadrat qui est marqué. En bas, ce qu'on avait vu en bas, voilà. Et puis là, bah, là on voit qu'elle est bien décentrée. Donc sur cette image-là, il n'y a pas d'interruption à 9 heures. Rien à dire. Et puis sur l'autre. Pas de problème particulier. L'autre, elle est également. On voit qu'elle est décentrée, ça se voit très bien. Donc voilà. La suivante, c'est l'œil, c'est l'autre côté. Il me semble bien. Ouais. Exactement. Oui, c'est l'autre côté. Donc ça, l'autre côté, c'est avec une L1 qui était mieux adaptée en flèche. Et puis, eh ben, on regarde ce qui se passe. Selon toi. Allez, interrogation. Moi, je dirais qu'elle est plutôt correcte, hein, cette lentille. Si on observe un peu plus près, je vais zoomer. Là, en lumière, on voit les vaisseaux qui sont sous la lentille. Il n'y a pas vraiment de marque, de blanchiment. Non. Alors, reste Ici. là, il y a une petite onde portée quand même en fait. Tu vois, c'est là qui peut ça c'est un peu Ici, ça peut là. faire attention. Ouais, on a un peu l'impression qu'elle pourrait être un petit peu en tendance serrée.
vois, on a l'impression qu'il y aurait presque un petit bombement. Mais effectivement, bon, tu es un petit peu à l'habitude, donc tu te fais pas avoir. Mais en fait, cet effet-là, il apparaît souvent lorsque il y a un effet d'ombre avec Ouais, mais le. c'est exactement ce qu'on demande en fait, où on fait l'observation de face, on met la lumière d'abord nasale ou temporale, puis ensuite on la bascule de l'autre côté, et le but c'est de vraiment Voilà, on confirme en regarder fait. l'illumination opposée pour voir s'il y a un décollement ou pas. Exactement. C'est exactement ça. Donc en fait, voilà. Donc là, cette image-là, on pourrait penser qu'il y a une compression. Et en fait, Mais c'est bon. ce qu'on observe à l'opposé ici, une fois Exactement. qu'on a posé la lumière de l'autre côté. Et on voit qu'ici les vaisseaux ils sont bons, donc en éclairage direct on voit pas d'interruption des vaisseaux, en éclairage indirect on voit pas vraiment d'ombre portée comme si la lentille était trop plate, donc ça semble tout à fait juste au niveau de la périphérie. Exactement. Ouais, même chose ici, bon c'est à peu près les mêmes images mais un peu plus Ouais, nettes. c'est des images un peu, voilà, elles sont, j'ai un peu des grossissements de rang, un peu du système de lumière différent, mais c'est, voilà. Juste ici, là, peut-être qu'on voit légèrement le bord qui fait une légère ombre, mais Oui, c'est pas alors ça, forcément. non. Bon, il faut faire attention. Ce genre d'image, effectivement, on pourrait avoir l'impression qu'il décolle. En grossissement un peu plus voire, on voit pas du tout. En fait, c'est juste, voilà, c'est pareil, c'est un effet un tout petit peu d'ombre, sans valeur pour l'adaptation, on va dire. Ouais, et puis là, en éclairage de face, c'est plutôt joli, hein. Ouais, exactement. Donc là, bah, en fait, on est à la fin de la première mise. On a passé les yeux droite et gauche. Le patient a porté 1 heure ses lentilles. On sait que la droite, elle est trop haute. Il y a des appuis qui sont un peu marqués. Donc, ben, on va diminuer la flèche déjà. Les appuis vont réduire. Et puis, ben, la gauche, ben, on a déjà la bonne flèche. Les appuis semblent bons après 1 heure. Donc là, on peut commander le premier paire de lentilles pour la première, on va dire, lentille définitive chez nous. C'est-à-dire que voilà, ça va permettre avec ça de faire porter vos patients de façon tout à fait sécuritaire et puis d'évaluer après plusieurs heures de port. N'oubliez pas de faire la suréfraction, bien sûr, parce que ça, sinon ils ne vont pas voir grand-chose, mais au moins ça va vous permettre de faire ça comme il faut. Ça permet d'aller assez vite en fait dans le choix de la lentille définitive. Oui, là on voit, hein, après 1 heure, ça va très vite. Hein, on arrive déjà à voir pas mal de choses. Rapidement, on peut déterminer les choses importantes. Voilà, hein, le deuxième examen, les observations, ça prend assez peu de temps finalement. On balaye, on voit les interruptions, on voit les blanchiments, et après ça permet de commander. Les suites, c'est un autre cas, hein, je crois. Hein. Oui, ouais, après c'en est un autre. Donc à nouveau des flèches de lentilles. Là, on voit peut-être un petit peu mieux quand même le reflet de la lentille sur ces images. C'est plus facile à observer. Exactement. Donc là, ça, c'est des lentilles qui ont été portées un peu plus longtemps. C'est en fin de journée. Donc en fait, la procédure a été telle que le patient est parti de chez lui avec ses lentilles, normal, enfin voilà, comme il est porté habituellement, on va dire, ça faisait déjà, la livraison a été faite une semaine avant, ou 15 jours avant. Donc il les a portées, et puis là, il vient en contrôle en fin de journée. Alors, l'acuité a été faite, et puis on a instillé une goutte de fluo pour voir un petit peu ce qui se passe avec les échanges lacrymaux sous lentilles. On sait qu'ils sont très limités, hein, c'est sûr, mais il y en a quand même. Et c'est pour ça qu'on voit sur cette image-là, on voit une partie de la fluo en bas et en haut, on n'en a pas. Oui, c'est vrai. Et en fait, j'ai mis cette image-là pour montrer qu'en fait, c'était quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça touche. Ça veut simplement dire que effectivement, donc là, on avait fait la Installation de la goutte de la fluo, un petit quart d'heure, je crois, avant. Donc, en fait, même certains adaptateurs confient une languette de fluo à leurs patients en disant bah, 1 heure avant, juste vous la mettez ou pas. Alors, après, vous pouvez la mettre, ça c'est chacun soi. Mais bon, moi je trouve que déjà c'est bien de la mettre soi-même, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, vous le laissez cligner un tout petit peu, votre patient. Vous attendez, il repart un peu en salle d'attente un petit quart d'heure, 20 minutes.
Et puis on regarde ce qui se passe. Donc là, on voit, pardon, que la flou est pas si mal. En bas, on voit l'épaisseur. En haut, on n'en voit pas, mais parce que en fait, finalement, c'est juste on n'a pas attendu assez longtemps. Il faudrait attendre un peu plus longtemps. Mais déjà, voilà, on voit qu'il n'y a pas d'appui. Et puis, ben, au mieux, il faut peut-être aider un tout petit peu avec le doigt. On peut enfoncer un tout petit peu la conjonctive. Ce qui permet de faire rentrer les larmes avec la fluo un peu plus dedans, enfin sous la lentille, et ça permet après de mieux évaluer sa flèche. Donc ça, c'était pour ça, cette image-là, ces images-là, je les ai mises vraiment pour ça, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'appui, c'est pas le problème en fait, enfin voilà, tout va bien, mais voilà, c'est important, c'est très intéressant de faire ça sur les adaptations sclérales en fin de journée. Ça permet de voir aussi les échanges, parce que des fois, ça va très vite, c'est-à-dire qu'en trois clignements, c'est fini, enfin là c'est fini. Vous avez la fluo qui est rentrée dessous. Donc ça veut dire que c'est une fluo, on va dire, facile. Enfin, il y a des gros échanges. Des fois, ça va pas du tout passer. Donc ça veut dire que là, c'est l'adaptation, elle est complètement étanche. Ça arrive. C'est pas forcément ce qu'on préfère. Mais des fois, ça arrive sur des conjonctifs très très souples, très lâches, qui vraiment viennent enchâsser. Enfin, la lentille vient s'enchâsser dans la conjonctive. Donc ça, des fois, ça arrive. Il faut faire très attention parce que effectivement on préfère qu'il y ait un peu d'échange quand même si ça fait rentrer des débris, ça a d'autres complications, mais c'est quand même là que ça fait passer le plus d'oxygène, hein, quand même. Ouais. Si je dois faire juste une remarque là sur les images, on est peut-être un petit peu plus large qu'une coupe. Exactement. C'est un peu haut, peut-être. Mais en fait, alors, il y a un cône, hein, qui est décentré. Donc, du coup, alors, bizarrement, celui-là, il est décentré plutôt haut, ce qui est assez rare, en fait. Et du coup, en fait, au sommet du cône, on est pas mal. D'accord. Ouais, sur celle-ci, on voit bien. Ah, exactement, là, tu vois, on voit le sommet du cône qui est juste au-dessus, là. Et là, en fait, il est à 100 microns, à peu près, un peu moins de 100 microns, même. Donc, il n'y a rien à dire. Et là, c'est 8 ou 10 heures de port. Hein, donc, Non, non, c'est fin de ça. journée, donc c'est vraiment ce qu'on cherche à obtenir. Exactement. Donc là, en éclairage diffus sur lumière blanche, on peut observer un petit peu la Exactement. mouillabilité de la lentille. Voilà. Ouais. Donc là, on voit bien. Hein, C'est un peu gras. ça, voilà, c'est un peu gras. Alors, on peut expliquer, enfin, il y a différentes explications possibles. Hein. On voit qu'il y a un peu de maquillage, donc ça aide pas. On le sait, Ouais. adaptateur de lentilles, on connaît. Et après, alors ça veut dire que voilà, il faut revoir un petit peu le système d'entretien, voir ce qui se passe, passer en oxydant si c'était pas déjà le cas, ajouter peut-être un savon de massage. Quelque chose avec de l'alcool, par exemple, ça c'est bien. Ça permet de vraiment de en, avec le massage doucement, enfin tous les jours, ça évite ces espèces de Ce dépôt ces lipidique, ouais. jolies, ouais, ça c'est les dépôts qu'on voit, hein, enfin, je veux dire, voilà. Donc ça c'est pour vraiment, voilà, sur l'entretien des lentilles sclérales. Il faut partir du plus simple, hein, voilà. Il faut pas se prendre la tête tout de suite. Il faut pas rentrer dans des choses très compliquées tout de suite. Par contre, c'est quelque chose qui est important parce que voilà, on le sait, les porteurs de lentilles sclérales clignent moins que les autres. Ils ont une fréquence de fissilement lors du port qui est diminuée. Donc les surfaces de lentilles souffrent un peu plus. Donc voilà, il faut pas hésiter rapidement à passer sur des systèmes d'entretien un petit peu plus poussés, des massages avec du savon, et puis voilà, l'entretien classique, et peut-être l'installation de gouttes en plus, ça peut être intéressant. Peut-être pas trop grasse du coup les gouttes, hein, parce que sinon ça risque de faire Non, dans ce de cas-là, pas trop rajouter grasse. du. Ouais, Ouais, non, là, il faut quelque chose, même du sérum fille, ça sera pas mal. d'ailleurs, on avait vu une vidéo d'Adi Fadel qui rajoutait le sérum Phi là pour nettoyer la lentille sans l'enlever, Exactement, même ouais, dessous. Ouais. ça c'est. Ouais, en passant dessous, enfin sur le côté, en rinçant. Alors, c'est une technique qui est assez intéressante, qui n'est pas facile à faire. Hein. C'est vraiment un apprentissage, mais c'est un effet. Voilà, on se met vraiment au bord et on instille de la solution saline
presque sous la lentille pour voilà, dégager les dépôts et pour en plus augmenter la mouillabilité. C'est assez très intéressant. Moi, je vous invite à... Pour avoir essayé, c'est pas si facile à faire. Hein, Je pense qu'il faut être deux, ouais. Il ne faut pas le faire sur soi parce que c'est pas évident. Ouais, c'est pas si facile. Franchement, même pour nous qui avons un peu l'habitude de manipuler les lentilles, quelles qu'elles soient, je suis pas encore. Enfin voilà, il faut. C'est un vrai apprentissage à faire avec le patient. Et prenez, c'est très intéressant, ça marche bien, mais il faut que vous preniez le temps de montrer au patient que lui l'apprenne et petit à petit. Ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Non, mais ce sera intéressant quand même de le montrer une fois. Ouais. Faut qu'on s'entraîne. Faut qu'on s'entraîne un peu, mais ouais, c'est avec plaisir, c'est assez intéressant à voir, ouais. Ok, est-ce que tu avais d'autres choses à remarquer sur ces images? Parce que là, du coup, on voit pas bien la partie sclérale, hein, on voit pas bien les appuis. Non, alors sur la partie sclérale, sur cet œil-là, les images suivantes sont l'autre. Attends, ça c'est oui. Il y en a un qui est. Là, il n'y a pas grand-chose à dire sur la Ok. partie sclérale. On est trop flou en fait. Il y a une ombre portée, on voit, tu vois, en plus. Donc il y a vraiment une partie noire, mais on ne sait pas parce que c'est le système d'éclairage qui est pas au bon endroit. Sur cette image-là, je voulais vraiment montrer l'histoire de la mouillabilité. Sur l'adaptation, on n'est pas focalisé au bon endroit, donc les images sont floues, c'est compliqué de faire une vraie estimation là-dessus. Alors sur les images suivantes, on est à nouveau sur des coupes optiques. Ouais. Alors là, celle-ci, on voit bien, c'est bien une belle coupe ça. Là, Ouais, exactement. on voit bien la cornée, on voit bien le film de l'arme et l'épaisseur de la lentille. Exactement. Donc là, ton avis? On est plutôt bien, hein. On est plutôt bien, on est Ouais. sur un petit tiers de cornée. Exactement. Donc là, on est sur un petit tiers de cornée, on est fin, on est. Oui, on est à 6 heures de port. Donc c'est. Voilà, quoi. Tout va bien, quoi. Il n'y a pas de problème particulier. Donc là, bah, c'est dans les différents. Un Bon, peu ça dans les c'est différents. l'autre axe. Ouais. Ouais, exactement. Le système d'éclairage a changé. Celle-ci est un peu plus prismatique déjà. Un petit peu plus, ouais. Mais à la partie la plus fine, on est quand même. On est tout juste, hein. On est tout juste, ça touche pas, mais on est tout juste. Ouais, celle-ci elle est bien répartie. Celle-ci est vraiment jolie. Exactement. Donc en fait, c'est toujours le même œil. Donc en fait, c'est ça, c'est que en fonction de là où on prend l'image, si on est un peu décentré au niveau de l'axe central de l'œil, on a des effets un peu prismatiques parce que les lentilles sont étant rondes, il y a un peu un endroit où quand même ça sera mieux. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de touche et que ça appuie pas du tout. Ouais, alors ça justement, moi c'est un des gestes de lampe à fente que j'aimerais bien présenter, parce que chacun a un peu sa technique, mais je trouve que celle qui est la plus efficace, c'est de mettre le système d'éclairage perpendiculaire à la zone que l'on éclaire. Donc si on est de face, l'éclairage est de face, enfin sur la partie centrale on est de face, mais par contre si on éclaire plus vers le limbe nasal ou temporal, l'éclairage va suivre la courbure de l'œil. Et l'observation reste à 45 degrés de notre éclairage, toujours. Ça me semble le Ouais. plus judicieux pour avoir une observation la plus fidèle possible. Ouais. Et puis en plus, en fait, c'est la plus facile hein, aussi. C'est-à-dire que c'est une des plus faciles à faire. On n'a pas tellement l'habitude, mais dès qu'on prend un tout petit peu le coup de main, mais ça va très vite, hein. Moi, c'est celle que j'ai trouvé le plus facile à apprendre, et puis c'est celle qui me mettait le plus à l'aise dans la validation de mes adaptations. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais vraiment sûr de ne pas avoir de touche, je savais exactement à combien j'étais. Enfin, je trouvais ça vraiment voilà, le plus efficace, quoi. Très bien, bah du coup sur celle-ci on est plutôt bien sur la flèche. On observe donc ensuite la périphérie avec la sclère. Exactement. Donc là il y a des belles versions, hein. Donc ça les versions c'est toujours dangereux à évaluer je trouve. Ouais. Là, c'est en fait c'est ça, c'est que là juste les versions c'est compliqué parce que en fait ben voilà là en fait bon tout va bien, on voit, hein, il n'y a pas d'interruption, il n'y a rien. Par contre juste des versions, on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment. Ce qu'on voit, c'est quand même que même les petits vaisseaux sont pas interrompus, donc ça paraît plutôt bien. Même avec un regard vers le haut, qui en général crée toujours une interruption là en bas, là
On n'est pas si embêté que ça. Ouais, on n'est même pas du tout embêté. Hein. Là, cette adaptation, elle est vraiment. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas d'interruption. La flèche est bonne. C'est une belle adaptation. Voilà, le porteur, il les porte comme ça. Il n'y a rien à dire. Ouais, Pas de même souci. ce gros vaisseau-là qu'on a l'impression qu'il s'interrompt, en fait, je pense qu'il s'arrêtait déjà ici avant. Oui, Bon, exactement. ouais. Ouais, on voit bien. Il y a les petits vaisseaux à côté. Ils continuent. Enfin, non, celui-là, c'est voilà, c'est une adaptation qui est validée. Et le porteur la porte sans problème. Ouais, non, bah c'est intéressant parce que c'est vrai que ne pas forcément voir que ce qui est évident sur l'image, mais aller chercher autour s'il y a d'autres signes qui confirment ou pas le blanchiment de la sclère. Super. Eh bien, on est arrivé au bout. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions lors de vos adaptations, vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone. On est toujours disponible pour vous aider. Ça donne des exemples hein, du genre d'image que l'on reçoit et que l'on traite pour vous accompagner. Donc, si vous avez la possibilité de faire des photos de lampes à fendre, c'est super. On vous aidera à les interpréter. Si ce n'est pas possible, donc, il faut réussir à vous. Se faire un petit schéma pour nous expliquer ce que vous voyez, ce que vous interprétez vous-même, et nous, on va essayer de vous guider dans les modifications des lentilles. Oui, il faut pas. Les photos, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous. Mais après, c'est pas toujours possible. Mais il faut pas hésiter effectivement, à nous décrire. En général, le plus simple, c'est quand même qu'on fasse par téléphone ce genre de problème. En général, c'est ce qui se passe. Vous nous envoyez les photos par mail, et puis on vous rappelle pour discuter du cas, et puis pour avoir un peu, pour pouvoir prendre une décision ensemble. Et puis, en fait, l'idée derrière, c'est quand même aussi de vous aider à après être complètement autonome pour pouvoir commander volontiers directement sur le site. Et puis, n'avoir besoin de nous que pour voilà, les cas très particuliers. Tout le reste, une fois que vous avez compris, enfin, une fois que vous avez voilà, eu en tête les modifications possibles et à quoi ça correspond en visuel, ben, voilà, après, vous êtes complètement autonome. Et vous faites comme vous voulez, vous pouvez les commander quand vous voulez. Et puis, voilà. Bon, du coup, on est plutôt motivé pour faire des présentations un peu plus pratiques aussi. On attend un petit peu de matériel pour pouvoir le faire, mais j'espère dès le mois de septembre être en mesure de vous le proposer avec Guillaume. Et bon, j'espère que vous allez tous passer un bel été. Je ne sais pas si on fait encore un live la semaine prochaine. Si vous avez des questions particulières ou un sujet que vous souhaiteriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez revoir les lives précédents aussi sur la page Facebook de Swiss Lens. Et puis, on va vous souhaiter une très belle soirée. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt.